Pérou. Oui, absolument. Vous avez un coup de cœur ce matin? Oui, moi j'ai un gros coup de cœur pour toutes les structures de loisirs qui rouvrent. Voilà, je suis allée lundi au jardin d'acclimatation. Ça s'appelle comme ça parce que c'est entre la Fondation Louis Vuitton et le Bois de Boulogne et ça permet de s'acclimater entre les deux univers. Voilà, je voudrais vraiment féliciter de tout cœur le personnel qui a mis en place toutes les mesures de sécurité possibles, des masques, du gel hydroalcoolique, des distances de sécurité, des pompiers, tout ça pour que ma fille puisse caresser des biquettes. Voilà. Ma fille, qui du haut de ses 2 ans était pleine de gratitude car elle a eu cette phrase pleine de reconnaissance en arrivant, elle a dit « Maman, je veux un ballon !» Voilà, donc je vous confirme, la vie d'après, c'est la vie d'avant. Mais ça m'a fait drôle parce qu'avant le confinement, au jardin d'acclimatation, ma fille, elle ne pouvait pas faire les manèges parce qu'elle ne mesurait pas 80 cm. Et lundi, bah ça y est, elle les faisait pile poil et ça m'a fait bizarre, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. Vous avez pleuré, Christine ? Et donc au jardin d'acclimatation... Mon bébé ! Oh là là, il fait 80 cm, bordel ! Mais comment c'est arrivé ? Tu vas voir quand elle fait 1m80. Mais tu te rends compte, mais la suite, c'est quoi ? L'école, le bac, le permis de conduire, le mariage, la trahison d'un homme ! Oh là là, quand je pense que ma fille va divorcer ! Ça me mine, ça me... Bon. Bien, elle a donc fait son premier manège de grande, les grenouilles volantes. Et elle était là, toute apeurée, à essayer de me montrer qu'elle maîtrisait la situation. On aurait dit Édouard Philippe dans une conférence de presse. C'était si beau de la voir se déconfiner. Elle voulait toucher à tout. Alors pour info, ma fille parle d'elle à la troisième personne. Hein, et c'est son seul point commun avec Alain Delon. Elle s'appelle Jeanne et elle voyait des lapins. Jeanne veut toucher. Elle voyait des poneys. Jeanne veut toucher. J'ai vu un pompier très musclé. Christine veut toucher. Pardon. Maman se déconfine. Voilà. En tout cas, ce matin, je voulais dire un grand merci à tous les personnels de tous les parcs d'attractions et jardins. Vous faites la chose la plus importante à mes yeux. Vous faites sourire ma fille. Et pour ça, merci du fond du cœur. Oh.